Bonsoir, enfin bonsoir. Pour moi c'est bonsoir, pour vous c'est peut-être bonjour. Donc bonsoir, bonjour, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur AirPadawan, la suite des impressions 3D. Ça y est, c'est toujours la même journée, hein. Vous avez eu les deux premières vidéos, à savoir l'unboxing, la première mise en marche de la machine avec ce qu'elle fait, comment ça se passe, etc. Et là je vais lancer la première impression avec vous. Donc ce que j'ai fait juste avant de lancer cette vidéo, j'ai refait chauffer la machine. Je vais faire exactement les mêmes étapes que vous avez dans la vidéo précédente, à savoir, elle s'est, vous savez, comment dire, nivelée, là, être sûr que tout va bien, enfin qu'elle est à la bonne place. Je sais pas comment on dit, j'oublie le terme. Auto-leveling, voilà, elle s'est auto-leveling toute seule. Elle a tout fait chauffer, etc. Donc là, je vais vous montrer les phases pour faire la première impression, là, le fameux truc qui est sur la carte SD. Les images, tout de suite. Donc elle est prête, vous voyez, tout va bien, elle chauffe. Là, je vais dans le menu préparation. Et là, je vais où? Je crois qu'il faut que je fasse chauffer l'extrudeur. Voilà. Je vais le faire, de toute façon, ça coûte rien. Et ensuite, on va lancer l'impression. Je préfère faire ça, être sûr que tout soit bien en place. Vous voyez que là, il soit bien content, etc., que ça se passe bien. Donc, je le laisse faire ça et je reviens dans un instant. J'adore quand il me fait ça. Je vous jure, je suis tout content. Il fait des petits caca, des caca blancs, c'est trop mignon. Donc, voyez, ça c'est fait. Donc, ce que je fais maintenant, retour, qu'est-ce qu'il me dit? Impression, si je fais impression, évidemment, il va se... D'accord, et là je vais faire le chat, mais avant, il faut que j'enlève le truc. Alors, attendez. Technique de, pour l'instant, je ne sais pas comment faire. Donc, j'ai pris ma petite spatule de cuisine et j'ai gentiment décollé cette charmante petite chose. Donc c'est parti pour l'impression maintenant. Les vraies images de l'impression. Bah tout de suite. Donc toujours dans mon menu, retour, impression. Cette fois-ci j'y vais direct. Et le chat, vous voyez, il me dit carte. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est parti. Alors, calibrage. Oh bah non, ça c'est déjà fait. Machin, filament utilisé. Il te donne des choses à clé, il va utiliser une certaine distance de filament. Et compagnie, je sais pas du tout ce que ça veut dire. D'après ce que si je le traduis, c'est 6 mètres 456. Trop bizarre. 1h38 de temps, hauteur de couche 2 mm. Confirmé, calibrage off. Pour l'instant, je laisse en paramètre par défaut, c'est-à-dire je change rien. Calibrage, ah oui, d'accord, je suis là-dessus. Confirmé, voilà, je change rien et je lui dis que c'est parti mon kiki, quoi. Et ça y est, ça démarre. Donc elle s'installe. Donc à chaque fois j'adore quand je découvre ça parce que c'est avec. Enfin voilà, là je suis en train de découvrir brut de découvrage comment ça va fonctionner quoi. Oh, c'est impressionnant. On peut faire des pauses. Arrêt, il y a des infos. Regardez. Vous voyez, le réglage, pause, arrêt. Ton impression, temps restant, etc. Là, je pense qu'il est en train de chauffer. Vous voyez, voilà, on voit que ça chauffe ici, 189, 190. Je sais pas si vous voyez quelque chose. La mise au point, c'est de la merde. Mais elle est en train de chauffer, donc ça ne devrait pas tarder. J'imagine que par rapport au type d'impression, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. On revient quand ça a un petit peu avancé, d'accord? Ça y est, ça commence trop fort. Regardez-moi ça, on voit, je sais pas si vous voyez grand chose, j'attends le moment opportun, vous allez voir quelque chose. D'accord, il est en train de remplir la base à ce que je vois. Ouais, désolé, c'est qu'une GoPro, je peux pas faire des trucs de ouf avec. Je vous mettrai ça en accéléré, hein. Voilà où nous en sommes après 23% de progression, une vingtaine de minutes dans ces eaux-là, vous voyez. Franchement, ça avance bien, on commence à deviner, on commence à voir quelque chose, et franchement, je suis bluffé. J'en reviens pas, c'est juste. C'est extraordinaire ce que nous offre notre époque, il n'y a pas d'autre mot. La suite, bah, quand ce sera fini, maintenant, je ne vais pas vous faire ça sur 36 fois. Vraiment, je suis sur le cul.
On est à 50%. 49, non, 50%. C'est génial. Au moment où je vous parle, 50% pile poil. On devine bien la forme finale quand même. On voit bien comment ça a avancé et tout. Hein. Je suis épaté. Vraiment, je suis épaté. 89%. Presque 90%. Regardez-moi ça. Regardez, là, c'est fini. Oh, je suis bluffé, quoi. Ma première impression 3D, là, ça s'est reculé tout seul. Mais regardez, c'est trop bien. Ça s'est mis, voilà, comme ça. Et là, l'impression, elle est finie. Il y a des petits filaments. Chez vous, si vous voyez à la caméra, c'est cool. Trop, trop bien. Oh, je reviens pas, c'est bluffant, quoi. On va regarder ça en détail dans un instant. J'attends que ça refroidisse et je décolle ça. Pour info, train d'impression. Ah voilà, ok, j'ai compris comment ça se lisait. C'était en minutes tout à l'heure, c'est ce qui me semblait. 1h21, donc un peu plus rapide que ce qu'il prédisait au départ. Franchement, top. Confirmé. Bah, terminé, oui. Ok, bah voilà, c'est bon. Hein. Oh, je suis trop content. Bon, on va regarder ça de plus près dans quelques instants. Une fois confirmé, vous revenez à l'écran de base. Et le plateau ne bouge pas. C'est la question que je me posais, est-ce que ça va bouger? Est-ce qu'il va se passer un truc et tout? Trop bien qu'on voit la quantité de filaments que ça m'a pris, mais j'en ai pour 10 ans avec ça là. Enfin, je me comprends, à mon niveau pour l'instant, je débute, hein, donc je dis ça, bon, ça, ça se trouve. Mais c'est trop cool. Oh, je suis hyper content quoi. Bon, alors on va passer au décollage de l'impression. Ça, c'est comment dire, voilà, c'est terminé, ça refroidit. Vous avez vu ici là sur le côté, je sais pas si vous le voyez, attendez, je vous fais voir. Là, il y a un trait de filament. En fin de compte, je pense que la machine, au début, pour purger la buse, etc., être sûr d'être tranquille, commence à faire un trait là. Et ensuite, vous avez ce petit résidu qui vient et ça commence à travailler là. En tout cas, hyper bien foutu. Enfin bon, ça, c'est juste pour l'anecdote maintenant. Attends, est-ce que j'ai besoin de décoller la surface? Oh oui, parce que ça a l'air d'être bien collé. Donc, je décolle. Vous voyez mon plateau magnétique. Clac, trop bien. Regardez-moi ça. Plateau magnétique, c'est une tuerie. Et donc là, nous avons notre petite chose, notre petit chat. Ah oui, ça vient, il faut juste forcer légèrement. Et voilà, pas besoin de forcer comme une brute. Et voici, le voilà. Alors là, on va couper deux secondes, le temps de nettoyer un peu le plateau. J'ai enlevé les résidus, etc. Je suis en train d'apprendre tout ça, mais je suppose que c'est mieux de l'enlever. Donc voici notre petit chat. Regardez-moi ça. Franchement, je suis bluffé. J'ai pas réussi à enlever l'espèce de filament, la coller le démarrage, mais en fin de compte, je suis en train de découvrir que là, maintenant, mon prochaine vidéo, c'est comment nettoyer son plateau, comment décoller les résidus d'impression, ces choses-là. De prime abord, franchement, c'est super propre. C'est hyper agréable au toucher, déjà. La finition, les détails, j'ai l'impression qu'il y a vraiment les poils de chat qui ont été posés. J'avais peur que ce serait un truc lisse, à la fin, que ce soit un truc lisse, mais non. Pardon, je suis pas sûr, vous voyez bien, là, attendez. Ouais, ici, là, vous avez une petite... regardez, vous voyez, je pense, vous voyez bien, il y a des, ça fait comme si on voyait les poils du chat. Franchement, je trouve ça génial, il y a le sens du détail. Je suis bluffé, mais vraiment, alors, bien sûr, certainement, les gens qui connaissent l'impression 3D vous diront, nani, nana. Moi, pour ma première impression 3D avec un modèle soumis par Creality, c'est très gentil de leur part, quand même. En plus, il est ludique, un petit chat, franchement, rien à dire. Moi, je suis heureux comme tout avec ça. Et vous voyez là, alors c'est ça qu'il faut que j'ai pas dit, parce que j'ai vu des vidéos, je me suis documenté. Faut enlever les petits résidus, comment on nettoie tout ça. Là, bon, hein, je vous le fais en direct. Pour l'instant, sans vous avoir de connaissances, mais vu comment c'est des petits cheveux de PLA, là, le plastique que j'ai utilisé pour imprimer cette petite statuette de chat en 3D, et ben franchement, c'est voilà quoi. Je suis bluffé, j'en reviens pas, je suis sur le cul. Tout de suite, la conclusion, là, je vous l'ai bien fait voir, le petit chat, je crois que vous avez vu. C'est super, hein. Regardez en dessous comment c'est lisse, enfin, c'est incroyable. Moi, je suis sur le cul, attendez, je vous le fais bien voir en détail. C'est incroyable comment... la qualité, quoi. C'est franchement, c'est bluffant, je suis sur le cul. Donc, conclusion de cette vidéo. Première impression de ce charmant petit minou. Miaou, miaou. Moi j'adore toutes ces conneries. Honnêtement, je suis super content, quoi. Je sais pas quoi vous dire.
Le déballage facile, mise en place plutôt, enfin, franchement facile. Alors bien entendu, soyons honnêtes, je me suis documenté avant, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'ai suivi un petit peu ce qui se passait dans le monde de l'impression 3D, parce que ça fait à peu près 2 ans que je m'intéresse à cet univers, dans le sens de l'acquisition, c'est-à-dire avoir une imprimante 3D chez moi, les moyens financiers de me la payer, etc. Parce que comme je vous l'ai dit, ça a été un peu compliqué, ça l'est toujours, mais bon. Voilà, j'ai vendu des trucs, donc je récupère autre chose. Je me suis fait un plaisir comme ça, j'ai vendu des machins, je vends ça. Bon, détail. Tout il en est que pour quelqu'un qui connaît rien à l'impression 3D, en dehors du fait d'avoir regardé des vidéos sur YouTube, de m'être documenté, cette machine-là, quand on voit ce qu'elle fait à la maison, bah regardez, hein, vous l'avez là. Quoi, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. C'est incroyable. Maintenant, j'essaie bien sûr. L'idée finale, c'est de faire mes propres trucs, hein. J'ai des idées en tête, il va falloir que j'apprenne. Alors maintenant, on va parler technique. Donc après avoir réalisé ce magnifique petit chat, on va parler technique 2 secondes. Parce que bien sûr, il faut les créer, ces modèles. Ce que vous allez imprimer, c'est un schéma qui est créé sur un logiciel qui vous permet ensuite de modéliser votre schéma en impression 3D. Ça, il va falloir que j'apprenne. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'apprenne les logiciels, tout ce qui se passe dans le côté avant l'impression. Mais ça m'intéresse, je suis très curieux de ça, et bien sûr, comme d'habitude, vous le découvrez au fur et à mesure. Alors peut-être pas comme cette vidéo, on parle pas de tout avec tout, parce que, comment dire, là, je vais faire des tests, des expériences, et puis je vais pas m'amuser à tout filmer, parce que je reconnais que quand je filme certaines choses, mon esprit est aussi accaparé sur ce que je vous dis, sur ce que je fais, et je suis pas à 2000% sur ce que je devrais être en train de faire à ce moment-là. Mais comme d'habitude, par contre, je vais être transparent avec vous, je vous parlerai de tout ce que je traverse, des facilités, des difficultés, des échecs, des réussites, et ainsi de suite. J'ai aucun problème avec tout ça. Pour conclure, bah déjà, merci d'avoir regardé la vidéo. C'est quand même, ça fait plaisir. Merci de me suivre. Merci d'être là. Merci de liker, commenter, abonner. Vous connaissez. Je sais pas s'il faut le dire à tout le temps, ces phrases à la con, en fin de compte. Depuis quelques temps, je m'interroge là-dessus parce que tu regardes les vidéos et tout le temps, on dit la même chose. Bah, on n'est pas con, on connaît, on a compris. D'ailleurs, je vais arrêter de le dire. Tiens, c'est officiel, je ne le dis plus. À part si, la seule chose que je vous dirai tout le temps, c'est merci à vous de m'avoir regardé. Parce que ça, c'est normal. Voilà. Tout il en est que c'était la première impression avec la Creality Under 3 V3 SE qui m'a sorti ce magnifique petit chat. Regardez le petit minou, miaou, miaou. Je suis trop content. Bah, si vous avez envie de rentrer dans l'imprimante 3D, je ne connais rien d'autre que ce modèle-là, vu que c'est la première fois de ma vie que j'en fais. Et c'est ma première journée d'impression, troisième vidéo que je fais sur ce thème. Franchement, foncez. Je suis bluffé, quoi. Et j'ai hâte de voir tout ce que je vais pouvoir faire. Parce qu'à mon avis, le champ des possibilités, il est pas mal. Sur ce, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de Air Padawan. À ciao!